Bonjour à tous, ici Alex du Québec pour un test démo sur Ghost Recon Advanced Warfighter sur Xbox 360, un jeu édité par Ubisoft et développé par Ubisoft. C'est un jeu d'action tactique sorti le 9 mars 2006. C'est un shoot tactique à la première personne. Dirigez une escouade de soldats d'élite chargés de protéger le pays d'un coup d'état. Coordonnez vos attaques sur le terrain grâce à un outil de communication futuriste qui permet également de synchroniser avec unités aériennes. Armé d'un arsenal militaire, partez défaire la menace qui plane sur votre nation. Et voilà, on va commencer ce test de démo sur Ghost Recon Advanced Warfighter. Et voilà, pour commencer, nous avons les options, lancer la démo, conseil et quitter la démo. On va aller à options, la luminosité, le type de vue. Et voilà, on a la vue à la première personne ou la vue au-dessus de l'épaule. Je vais prendre la vue au-dessus de l'épaule. Et voilà, et la musique évidemment. Elle est super bonne, rien que là, elle déchire, je trouve. Et voilà, on va commencer la démo. Petit chargement qui montre comment jouer. Et voilà. On a le choix de nos armes, pas sûr. Et voilà, on peut changer. Et non. Et voilà. Ensuite de ça, ça c'est notre unité. Et voilà. Il y a quelques minutes, au cours de la cérémonie de signature de la fin, le premier accord de sécurité nord-américain, des soldats mexicains opposés au traité ont envahi le canot. Voilà, on est dans un hélicoptère. On peut tourner notre vision avec l'analogue droit. Et voilà, bien foutu, je trouve. Voilà. Je trouve ce jeu beau en partant. Et voilà, on peut regarder en haut à droite. On a une sulfateuse. Je sais pas si on peut l'utiliser. Et non, j'appuie sur les pitons et ça fonctionne pas. Putain! Ça y est, l'hélico convoi a été touché. Oh putain, ça y est, on a perdu un frère. Bordel de merde, c'est sérieux. Et voilà. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Je sais pas si on va se poser. Voilà. Et oui, on se pose. Voilà, les soldats débarquent. Je sais pas si je vais débarquer. Et voilà. Et voilà, on est ce héros. Voilà. C'est un jeu de guerre tactique. Ça veut dire qu'on peut contrôler ou donner des ordres à nos soldats. Et voilà, pour commencer, on tourne la vue avec l'analogue droite. Oh putain. Voilà. De ça, on contrôle le perso avec l'analogue gauche. Oh putain, en appuyant sur l'analogue gauche, on peut se pencher. Ensuite de ça, avec l'analogue droite, on appuie dessus et puis on peut zoomer avec notre pistolet. Ensuite de ça, oh putain, avec RT, on peut tirer. Et le LT, c'est pour zoomer de plus proche. Et voilà, ensuite de ça. Oh putain, avec le LB, on peut envoyer nos soldats. Tire à l'arrêt, capitaine. Et voilà, ensuite on peut les rappeler. Avec le RB, on peut changer le côté de notre vue. Et voilà, bien foutu. Bon, ensuite de ça. Oh putain, avec
le pad par en bas, on peut regrouper notre... Et voilà, ensuite, avec le haut, on peut les positionner, et voilà, bien foutu les potes. En position. Et voilà, okay, on va les buter, ces connards. C'est un jeu tactique, faut prendre notre temps, sauf que là, moi, je vais aller vite, et voilà. Il y a un barrage droit devant. Oh putain. Yeah. On voit les flèches. Ça y est, ils disent qu'on peut aller après les murs. Oh putain, ça y est. Un fumier. Je vais essayer d'y tirer dans la tête. Et voilà, pense à mon fumier. Oh putain, ça y est, il y a un autre connard. Bien foutu, je trouve, ce jeu. C'est sûr, dans les rues, c'est vide. Il y a des défauts, ça c'est sûr. Et voilà, oh putain. Oh putain, j'ai pris une grenade. Et voilà. On va viser ce connard d'ici. Et voilà, bien foutu. Je crois qu'il s'est caché où la voiture. Et voilà. Sors de là, connard. Et voilà. Ça y est. On a tué ce connard. Le système d'alarme de la voiture a parti. Et voilà. Bien foutu. Putain, on a le reflet dans les vitres. Et voilà. Putain, mal foutu les potes. Et voilà. Bon, on va continuer. Je sais pas si on peut courir. Et oui, on peut courir normalement. Et voilà. On va sûrement avoir d'autres... Oh putain. Yeah, il y a un autre fumier. Faire attention. Et voilà. Un autre fumier de moins. Sûr. J'aime ce jeu. Oh putain. J'aime ce jeu, les potes, c'est pas... C'était le dernier. Et voilà, faut dire que le 2 est sorti également. C'est sûr, je vais l'acheter. Il va se vendre pas plus que 10$ ou 14$, comme d'habitude. Et voilà, on va faire attention. Contact. Putain, faire attention, il y a peut-être des fumiers cachés. Et oui, c'est un jeu tactique, bien foutu, je trouve. Oh putain, ça y est, on peut éclater les fenêtres. Et voilà. Heureusement qu'il y a un peu d'interactivité avec le décor. Et oui. Oh putain. Voilà. Oh putain, j'ai plus deux balles. J'aimerais recharger. Et voilà. Et voilà. Les villes sont vides. Et oui, c'est normal. Et voilà. Il y a un connard. Putain, ça y est, oh putain, on va faire choper tous les côtés. Ça y est, je vais faire attention. On a notre jauge de vie en bas, où est-ce que c'est jaune. À gauche, ça flash en jaune. Je sais pas si on a des medikits sur nous ou je sais pas trop. Et voilà, il y a un fumier ici. Putain. Putain. Là, l'intelligence artificielle a l'air pas pire, je trouve. Et voilà, il s'est caché à l'arrière du bâtiment. Allez, fumier. Yeah. Fais attention à pas me faire tirer. Ça y est. J'ai pris une balle. Oh, putain. Putain. Yeah. Putain, je vais mourir. Je suis con. J'arrête jamais à aller là. Et voilà. Un fumier de moins, je crois. Et non. Et voilà. Je suis chanceux. Faut que je l'élimine l'autre fumier. Oh, putain. Yeah. Putain, le système d'alarme de merde me fait mitrailler par un fumier. Putain. Ça y est, je suis mort. C'est pas grave. Ceci dit, ça va être la fin du test démo sur Ghost Recon Advanced Warfighter sur Xbox 360, un jeu édité par Ubisoft. Développé par Ubisoft, ce jeu d'action tactique sorti le 9 mars 2006. Et je trouve ce jeu superbe, le fun à jouer. Et puis je vous laisse sur ces images. Et je vous remercie à tous. Et à la prochaine. Scott, il y a un barrage droit devant. Sois prudent.